Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit dans mon dernier entretien, à savoir que la majorité de l'Assemblée qui voulait obtenir une bataille avec Paris aurait voulu obtenir que Paris prenne l'initiative des hostilités. Or, rien ne se produisait. Je vous avais rappelé qu'après l'entrée des Allemands, très digne du reste, le premier, je veux dire digne du point de vue de l'attitude de la population parisienne, une sorte d'apaisement s'était établi. L'agence Havas, obéissant à je ne sais quelles instructions, envoie en province de Paris une note télégraphique absolument fausse, disant « Paris est à feu et à sang, une insurrection vient d'y éclater ». C'était du 4 mars. Or, c'était faux, c'était totalement faux, mais il s'est trouvé que les députés de Paris qui étaient à Bordeaux, puisque vous savez que l'Assemblée s'est d'abord assemblée à Bordeaux, ont pris peur. Et on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Alors, dans la nuit même du 4 au 5 mars, ils sont arrivés à Paris, et ils ont trouvé un Paris en pleine tranquillité. Ils ont été obligés de dire à M. Fabre, qui lui-même avait dit, mais Paris est dans une folle agitation, il leur a dit, mais c'est pas exactement ce qui s'est passé, enfin, nous ne trouvons que des rues extraordinairement calmes. Oui, c'est vrai qu'il y a une agitation encore sourde dans Paris. Et oui, c'est vrai, c'est une chose sur laquelle je dois insister, qu'il n'y avait pas que le prolétariat qui était surexcité, et qu'il y avait qu'une grande partie de la bourgeoisie, ces gens même qui y avaient cru pendant le siège, qui avaient cru à la défense, et qui s'étaient aperçus que la défense était fausse, ces gens étaient profondément irrités. Je vais vous apporter des citations qui prouvent en effet que la bourgeoisie elle-même marchait dans ce sens de révolte. C'est Sorel, l'historien Sorel, le futur historien Sorel, qui écrit dans une lettre à Hénard que Paris n'aurait pas été pris, mais vendu. Ce n'est pas seulement les Bellevillois qui le disent, c'est l'ensemble de la bourgeoisie. Dans les mémoires du général Dubarry, il y a également une petite anecdote qu'il faut que je vous dise parce qu'elle est très éclairante. Dubarry était un général qui avait été fait prisonnier, qui vient d'être libéré, qui rentre à Paris. Il arrive à Paris et il raconte dans ses souvenirs, mes souvenirs ça s'appelle, il raconte qu'arrivant à Paris, il a voulu se rendre compte de l'état d'esprit des gens, il est arrivé à un kiosque de journaux, il dit dans son journal, j'ai demandé à un journal bien pensant, un journal qui reflète à mes propres opinions, et il prend un canard qui s'appelait La Patrie. Et il dit, j'ai été suffoqué, enfin estomaqué, en voyant l'article de tête de ce journal bourgeois qui s'appelait La Plaie des Généraux. La Plaie des Généraux. Et c'était à cause de la nomination à la préfecture de police de ce nouveau général, un général de plus, Valentin, dont je vous ai parlé à la fin de mon précédent exposé. Dubarry, il en a été commotionné en disant, même si mes amis naturels, même si la droite, enfin même si les conservateurs bourgeois de Paris sont maintenant surexcités comme ils le sont, ça va très mal. Donc premièrement, à propos de cette agitation sourde dans Paris, notez qu'une bonne partie de la bourgeoisie est d'accord pour protester parce que c'est trop affreux. D'autre part, c'est vrai que les socialistes essayent de profiter, ils ont raison, de la situation et qu'ils annoncent de grands changements libérateurs. Par exemple, le Cri du Peuple, le journal de Vallès, va intituler un article « La sociale », avec un S majuscule, « La sociale arrive ». Quand ils disent « La sociale », c'est une abréviation, « La République démocratique et sociale va s'installer ». Voici encore du Cri du Peuple, le 5 mars, l'antagonisme, c'est à cela que nous assistons, l'antagonisme de l'écumage et du labeur, du travail et du capital. Le 8 mars, l'Empire était moins menacé le 12 janvier, vous vous rappelez, funérailles de Victoire Noire, 200 000 hommes sur les Champs-Élysées, je reprends, l'Empire était moins menacé le 12 janvier que la bourgeoisie ne l'est aujourd'hui par la misère des pauvres. Et c'est vrai également que le comité central de la garde nationale, vous vous rappelez, les 35 gars que la garde nationale a élus à sa tête pour être ses représentants. Ces 35 gars ne sont pas simplement à la tête d'un vaste syndicat, c'est ça en somme la garde nationale, vous savez, c'est un syndicat qui va se défendre, qui veut garder ses 30 sous et qui veut défendre la République. Ils ne sont pas simplement des syndiqués ou des chefs syndiqués, c'est aussi des gens qui ont des idées plus larges, plus générales. Il y en a qui disent, et nous avons les textes, qu'une fois qu'on aura fait une vraie République dans Paris, eh bien, on fera la République universelle. Il y en a qui disent que nous sommes là pour faire une puissante transformation sociale. Notez qu'ils ne disent pas ça tous, non? Mais il y en a quelques-uns, surtout ceux qui sont influencés par les internationaux, qui essayent maintenant de reprendre, si je puis dire, du voile de la pète. Il y en a quelques-uns, appuyés par Varlin, qui disent « Profitons de cet énorme mouvement pour faire un pas vers l'avenir social. » Il y a tout ça, hein, il y a tout ce que je viens de vous dire. Mais il y a une absolue détermination du côté de l'extrême-gauche de ne pas recourir à la violence. Là, je vous apporte encore des preuves. Ce même Cri du Peuple de Vallès, dont vous venez d'entendre des citations assez violentes, cette bourgeoisie menacée, voilà ce qu'il écrit. S'adressant aux maires, la plupart sont députés en même temps, députés maires de Paris, interposez-vous. Vous voyez bien ce que l'on nous prépare. Placez-vous entre la garde nationale et les soldats. C'est assez de douleur et de honte. Il ne faut pas d'autres tempêtes.
le Père Duchesne, qui était un de ces journaux qui avait été supprimé autoritairement, je vous le racontais, le 12 mars par le général Vinoy. Père Duchesne, hein, un titre comme ça, ça fait penser aux pires extrémistes de 93. Eh bien, le Père Duchesne dit « Attention aux provocateurs, garde à vous, républicains, garde à vous, on veut vous mettre dedans, on veut vous jeter une fois de plus dans le pétrin. » Le même Vallès va avoir cette phrase que je trouve extrêmement intéressante. « Attention, pas de guerre civile. La guerre civile perdrait la liberté. 2 heures de conversation à coups de canon, et c'est 20 ans d'euphorie pour les banques et 20 ans de misère et de silence dans les faubourgs. » Encore du cri du peuple. « Sur notre honneur, nous vous jurons qu'ils mentent. Ceux qui disent que nous voulons la haine, le pillage et la mort. » Je sais bien, et je vous préciserai ça un peu plus tard, que Marx a encore très peu de pouvoir en France. Les marxistes, ils sont 4 ou 5 à Paris, pas davantage. Mais enfin, ils ont de l'influence. Eh bien, Marx est un homme qui passe son temps à leur déconseiller tout mouvement violent. Il dit, si vous vous lancez en ce moment, vous allez au-devant du carnage et c'est la destruction de tous les espoirs sociaux que nous pouvions fonder. Il y a un texte que j'ai trouvé à Neuchâtel, d'un monsieur qui s'appelle Guillaume, qui a publié en 1871 à Neuchâtel ses souvenirs de garde nationale parisien. Bien, Guillaume révèle là quelque chose d'extraordinairement important et que je dois vous dire. Il dit, il y avait vers le milieu de mars, une sorte de dégoût général. Chacun soupirait après la reprise du travail. Voilà des phrases intéressantes. Je vous expliquais l'autre jour comment la bourgeoisie s'y prenait pour essayer, la bourgeoisie de l'Assemblée nationale, hein, pour essayer d'exaspérer les gens. Vous avez vu la série de provocations. Il y en avait deux qui étaient particulièrement terribles. Paris, décapitalisé d'une part, et deuxièmement, le moratoire. Les gens qui n'avaient rien et qui étaient obligés de rembourser brusquement leurs dettes. Entre le 15 et le 18 mars 1871, il y aura 150 000 protêts dans Paris. Là, on pouvait espérer que deux mesures comme celle-là mettraient les gens hors d'eux-mêmes et qu'ils allaient commencer les barricades. Eh bien, rien du tout. Et on voit même Favre qui en est déconcerté et qui, dans une dépêche à Thiers le 12 mars, dit « Un peu d'agitation, rien de grave ». Alors, rendez-vous bien compte, nous arrivons au bord, nous y sommes presque, à la commune, à la fameuse explosion du 18 mars. Cette explosion pouvait très bien ne pas se produire parce qu'il y avait cette retombée, parce que les gens n'en pouvaient plus, parce qu'ils avaient vécu sur leurs nerfs depuis 6 semaines, même plus de 6 semaines, et qu'ils n'avaient qu'un désir, croyez-moi, qu'un désir, c'était que les ateliers se rouvrent pour essayer de retrouver là un peu plus que leurs 30 sous de la garde nationale. Seulement, cet arrangement-là, cet arrangement larvé, si vous voulez, c'est précisément ce dont la majorité de Versailles, car c'est maintenant à Versailles que l'Assemblée va se réunir, ne veut à aucun prix. Écoutez encore des aveux de l'Illustration et de... Enfin, l'Illustration est un journal bourgeois, enfin conservateur, mettons centre-gauche. Il était fort possible, écrira-t-elle le 25 mars, c'est-à-dire après l'explosion du 18 que je vais vous raconter tout à l'heure, il était fort possible de régler autrement que par la force un conflit que nous pouvions dénouer pacifiquement. Et Favre, qui bientôt, le 21 mars, va prononcer un discours terrible, qui est une véritable déclaration de guerre à Paris. 4 ans plus tard, en 1875, dans le livre qu'il écrira pour résumer les événements, aura une phrase incroyablement cynique, puisqu'il dira ceci, « Si l'Assemblée avait loyalement reconnu et sanctionné les institutions républicaines, elle n'aurait jamais eu devant elle une insurrection qui n'eût d'autre mot d'ordre que la défense de la République. » Tranquillité, réelle tranquillité dans Paris. J'ai vu des communications de journaux étrangers, le Times par exemple. Le Times dit, Paris a été pendant plusieurs semaines en état d'effervescence, la fièvre est tombée. Ce Doudan, Ximénez Doudan, dont je vous ai parlé la dernière fois, qui était l'amuseur officiel des broils, Doudan reconnaît que même dans les quartiers les plus rouges, dit-il, où il était en exploration pour se promener avec prudence, je n'y vois aucune trace de violence. Rien n'annonce qu'ils veulent en venir à la violence. Et Ferry, Jules Ferry, qui est le maire de Paris, qui habite donc à l'hôtel de ville, le 5 mars avait écrit « Jamais dimanche plus calme, la population jouit du soleil et de la promenade. » Donc on pouvait éviter ce qui va se produire, c'est-à-dire l'effusion de sang. On pouvait l'éviter, mais l'Assemblée voulait qu'on ne l'évitât pas. Elle la désirait, 2 raisons. Vous savez qu'il détestait la République, puisque c'était dans l'immense majorité des royalistes, et d'autre part, il y avait cette vengeance à tirer de Paris. La dernière fois, je vous ai apporté un certain nombre de citations assez terribles sur la haine que nourrissait la grande bourgeoisie contre Paris. Parce que c'était Paris que venait la Révolution, parce que c'était Paris qui avait imposé 2 fois, paraît-il, à la province le régime républicain, en février 48 et en septembre 70. Et puis surtout parce qu'il y avait eu cette résistance des Parisiens qui avait retardé pendant 4 mois
ce que l'un d'entre eux, vous vous rappelez, qui s'appelait le roi Beaulieu, appelait la délivrance, et que nous, avec la réalité, nous appelons la capitulation. Je voudrais aussi vous montrer un procédé invraisemblable, un procédé d'une très grande bassesse, le procédé calomnieux, qui consistait de la part de ces gens de droite, enfin les possédants, qui consistait à dire « Les résistants font semblant d'être patriotes, mais en réalité, ils n'ont qu'une seule préoccupation, qui est l'ordre politique et social. Écoutez par exemple, le baron Échasseriau. Les résistants, la défense du pays ne passait qu'après leur intérêt personnel. Eh bien, et eux. Ensuite, monsieur de Carayon-Latour va dire « Leur but était avant tout et uniquement... non pas la défense du pays, mais l'établissement de la République. » Et il y a un écrivain contemporain qui s'appelle monsieur Adrien Dansette, qui a écrit juste après la Libération un livre qui s'appelle « Les origines de la Commune », dans lequel, avec un petit sourire entendu, ce monsieur Adrien Dansette écrit « Le souci de la défense nationale ne les a jamais tant préoccupés que lorsqu'il coïncidait avec l'intérêt de leur politique. » Eh bien, je veux bien que les républicains, en effet, quand ils pensaient 92, ne pensaient pas simplement à un 92 libérateur et qui chassait l'envahisseur, ils pensaient aussi à un 92 libérateur du point de vue social. Il y avait cette différence entre les résistants et les conservateurs, que l'intérêt des résistants se confondait avec l'intérêt de la défense nationale, tandis que l'intérêt des conservateurs, leur privilège, passait par l'abaissement et par la mutilation du pays. C'est une chose qu'il ne faut pas oublier. Donc, à l'Assemblée, on est absolument résolu à en découdre. Et tiens. Ça, c'est un problème, hein. Thiers, il est le chef de l'exécutif, c'est lui qui porte la responsabilité, qu'est-ce qu'il veut? Mais voyez-vous, ce que je vais vous dire aujourd'hui est assez différent de ce que j'aurais dit il y a eu seulement un an ou deux ans. J'ai vécu longtemps sur l'idée que Thiers était une taupe ou une chouette ou un hibou, comme vous voudrez, assoiffé de sang, et qui avait désiré le drame auquel nous allons assister. J'en suis beaucoup moins sûr après une année de recherche. Thiers n'est pas dans une position tellement confortable à l'Assemblée. Pourquoi? Parce qu'il est thiériste, je vous le disais, c'est-à-dire qu'il veut une république dont il sera présidé, le président personnel, hein, c'est ce qu'il veut, la république conservatrice. Bien. Mais les autres veulent la monarchie. Alors, ces députés monarchistes utilisent M. Thiers, comme nous dirions aujourd'hui à propos d'un domestique, comme un extra, à la manière dont ils avaient utilisé Cavaignac en 1848. Cavaignac était républicain, entre guillemets, et on avait dit, ben, utilisons d'abord Cavaignac pour faire une sale besogne, et puis après nous passerons aux affaires sérieuses. C'est tout à fait la même chose de la part des royalistes à l'égard de M. Thiers. On sait qu'il ne les servira pas du point de vue monarchiste, alors on va essayer de lui faire faire la sale besogne. L'idée même que Thiers avait eue à l'égard des Jules. Peut-être vous vous rappelez, je vous avais dit, Thiers ne veut pas se mouiller dans le gouvernement de la défense nationale. Il sait que ce gouvernement aura à faire deux choses très désagréables et qui risquent de couler les auteurs. Il faut que ce gouvernement...